La maison royale suédoise serait due. Ce lundi 7 octobre, la princesse Madeleine, le prince Carl-Philippe et la princesse Sophia ont annoncé que leurs enfants n'étaient plus membres de la maison royale et n'ont donc plus de titres royaux. Au total, ce sont 5 enfants qui sont concernés par cette décision, Léonore, Nicolas et Adrienne, les 3 enfants de la princesse Madeleine, et Alexander et Gabriel, ceux du prince Philippe. Par conséquent, ces derniers ne seront plus tenus d'assumer des fonctions royales officielles. Sa Majesté le Roi a décidé de modifier la maison royale. Le but de ces modifications est d'établir quels membres de la famille royale sont susceptibles d'exercer des fonctions officielles incombant au chef de l'État ou liées à la fonction de chef de l'État, peut-on lire dans un communiqué officiel. Les 5 enfants conservent toutefois leur titre de prince et princesse, mais leurs futurs époux ou épouses n'auront pas l'honneur d'acquérir ces titres. Attention, la princesse Estelle et le prince Oscar, les enfants de la princesse Victoria, héritière du trône, ne sont pas concernés par cette annonce. La famille royale suédoise n'est pas la première à prendre une pareille décision. Il y a quelques mois, lors de la naissance du prince Archie, Meghan Markle et le prince Harry avaient annoncé qu'ils ne donneraient pas un titre royal officiel à leur enfant. Contrairement à son cousin, Son Altesse Royale le prince George Alexander Louis de Cambridge, le prince Archie porte seulement un nom de famille, celui de Mountbatten-Windsor. Thank you.